peintre à Saint-Maur. Nous faisons en sorte que la commune de Saint-Maur élève les esprits, parce qu'au moment où nous vivons, je pense qu'il faut que les esprits s'élèvent de plus en plus pour porter un regard certes critique, mais aussi quelque chose pour que nous puissions construire ou bouleverser l'avenir, afin que nous puissions trouver un destin nouveau. Et donc, quand on voit ces peintures, on retrouve beaucoup Argenton, on retrouve des dames qui sont en train de laver à l'entrée de cette salle du conseil, aujourd'hui salle des arts, où on trouve sur certains tableaux des cheminées, vous savez, comme les usines d'antan, ou à l'époque, à la bonne époque où elles existaient encore. Et on ne disait pas à cette époque-là, dans les années 50, que la France allait devenir une grande entreprise de services. 30 ans après l'avoir dit, c'est une France de demandeurs d'emploi. Eh bien, je parle d'emploi industriel, bien entendu. Eh bien, en fait, on voit toute une histoire et toute l'histoire depuis 60 ans de notre pays sur ces peintures. Et M. Perrin, moi, je voulais vous dire avec toute simplicité que les artistes, je sais qu'il y en a dans la salle, me pardonneront. C'est sans doute une des plus surprenantes expositions que nous ayons eues, parce qu'en fait, on a l'impression que ce sont des toiles, vous savez, les mêmes que l'on voit au musée du Louvre, pour l'ère contemporaine, où on se dit, mais comment se fait? Comment est-ce possible? Il y a tellement des peintures, certaines d'entre elles, qui sont si naïves, si simple, presque facile à copier. Et l'on dit que ce qui est le plus simple est le plus difficile à penser. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et M. Perrin, je voulais vous dire que nous sommes très heureux de vous avoir, vraiment très heureux. Nous sommes très heureux que vous soyez revenu dans l'Indre. Nous sommes très heureux que vous ayez accepté l'invitation qui vous a été faite. Et vraiment, chapeau bas, comme on pourrait dire, parce que ce que vous nous avez offert, ce qui est en fait toute votre carrière, quelque part, et toutes les années que vous avez passées sur cette terre, ben moi je suis assez impressionné. Je lisais dans les documents qu'on m'a adressés que vous aviez détruit une partie de vos œuvres. Sans doute aviez-vous de bonnes raisons pour le faire. Nous sommes honorés de vous avoir. Merci beaucoup.